Mes chers amis, je suis désolée de ne pas pouvoir être à vos côtés aujourd'hui, mais j'ai tenu à vous prêter les locaux du Conseil régional parce que je suis très consciente que ce sujet de la santé est au cœur des préoccupations des Franciliens et au cœur, évidemment, d'une politique harmonieuse d'aménagement du territoire régional. L'accès à la santé, c'est le premier des droits et je crois que c'est avec vous, en lien avec vous, par le dialogue, la co-construction, que nous allons pouvoir mettre en place le volet santé de la région solidaire. Vous le savez sans doute, dans le cadre de la région solidaire, nous avons augmenté de 25% le budget alloué à la politique de santé régionale. Et dans le cadre de ce budget, nous nous attaquons à cette problématique de la désertification médicale de l'Île-de-France. Alors oui, ça peut surprendre, l'Île-de-France, premier désert médical français. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité parce que malheureusement, on ne trouve plus de généralistes de secteur 1 dans Paris. Parce que malheureusement, dès qu'on s'éloigne dans des quartiers populaires ou dans des banlieues périurbaines et rurales, nous manquons de praticiens. Il y a beaucoup de populations en Île-de-France et des conditions de vie qui sont parfois difficiles quand on s'établit, avec des problématiques très spécifiques de sécurité, mais aussi de qualité de vie et de pouvoir d'achat. Donc nous avons besoin de travailler ensemble. Vous le savez peut-être, mais j'ai déjà lancé une ou deux initiatives. La première, c'est la construction avec Action Logement de 11 000 nouveaux logements pour les infirmières et les aides-soignantes dont vous avez besoin pour pouvoir faire travailler cet écosystème de santé en Île-de-France. Aujourd'hui, les personnels paramédicaux ont jusqu'à 3 heures de transport par jour et bien c'est difficile de pratiquer un métier dans de bonnes conditions lorsqu'on a autant de fatigue liée à ces transports. 11 000 nouveaux logements pour les infirmières et les aides-soignantes, mais aussi des maisons de santé sur tout le territoire. Depuis mon arrivée à la présidence de la région, nous en avons construit 50. Nous nous fixons comme objectif de doubler la mise, 100 nouvelles maisons de santé installées sur le territoire pour les praticiens libéraux, avec l'objectif évidemment de rapprocher la santé de nos concitoyens. Et puis nous tenterons des expériences de télémédecine dès l'année prochaine, là encore pour implanter des cabines là où il n'y a plus de médecins en lien avec des praticiens libéraux. La question de l'accès à l'hôpital est aussi une question sur laquelle nous travaillons avec cet objectif qui est commun avec le gouvernement de fluidifier les urgences et surtout d'orienter les malades vers le service d'urgence et où la maison de garde qui est la mieux adaptée. Vous le voyez, nous travaillons sur tous ces sujets. Nous travaillons aussi sur les sujets de recherche, de médecine personnalisée, d'intelligence artificielle, de collecte des données des patients. Sur tous ces sujets, nous pouvons travailler ensemble. Et je suis très intéressée par le travail de votre association parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de professionnels de santé heureux, épanouis pour un écosystème de santé qui fonctionne en Île-de-France. Travaillez bien, tenez-moi au courant des conclusions de vos travaux et la région sera à vos côtés.